Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien? Ou bien tu as remarqué quelque chose? Oui, depuis là tu me regardes en bizarre là et puis tu dis rien. Tu n'as rien à faire aujourd'hui? Non, comme d'habitude. Il y a quoi même? Salaud là, tu t'es même bien 2 jours là et puis tu n'informes même pas ton meilleur ami. Tu pensais qu'il n'allait pas découvrir ce que tu caches là quoi? Tu as vu quoi? Tu sors avec un mouvement ces temps-ci là non? Vraiment, quartier là. Ne t'en fais pas hein, Letty ne sera pas au courant. Il sait fermer ma gueule quand c'est nécessaire. Bonjour. Bonjour madame. Vous attendez quelqu'un? Oui, pourquoi? Rien, je demandais juste comme ça. Vous avez un souci? C'est juste que je ne vous connais pas. Il me semble que vous n'êtes pas du quartier. J'attends quelqu'un. La gagaille? Oui, et vous? Vous c'est Letty, n'est-ce pas? Il m'a parlé de vous. Ah bon? Il a dit quoi sur moi? Oh, rien de particulier. Il dit que vous êtes juste une cliente qui ne paye jamais crédit. Et que vous jouez les durs. Oh, vous n'avez rien de spécial. Quoi? Parce que toi, tu crois que tu as quelque chose de spécial? Ma chère, c'est à la Jagaï qu'il faut poser la question. De nous deux, c'est moi qui l'a choisi. La Jagaï, qu'est-ce que tu as raconté à ta pembèche là? La vieille mère, calme-toi. Peace and love. Toi, va là-bas. Peace and plein. Elle t'a dit quoi? Ne joue pas à ça avec moi, hein. C'est quel crédit moi j'ai refusé de payer ici? Quand tu appelles ici là, tu payes. Mais tu me dragues. Pourquoi je vais payer? À ce propos, je pense que j'ai arrêté. J'ai eu mieux. Affaire où on court derrière toi depuis des années, on dirait concours de fonction publique là. Je suis plus dedans. Mon vieil, tu as le verbe. Je suis fan. Tiens tu. Ouais, je sais. D'ailleurs, même j'ai rendez-vous encore avec elle ce week-end. De quel week-end tu parles? Ma maman t'a invité, non? Invitation où tu voulais m'empoisonner là. Ou bien tu as oublié? Annule ton rendez-vous. Tu vas venir piant. Je vais cuisiner, tu vas manger. Ouais, mon vieil, tiens chef. Ton youkli est bête de stratégie. Mon petit, prends. Prends des notes. Ah, c'est qui ne sait pas ce qu'elle travaille dur pour avoir ce corps de rêve que tu vois là. Un corps parfait pour le sport. Et tu veux faire quel genre de sport? Le basket. Je veux jouer au basket. Ça va, j'avais compris. Hé, hey, la sorcière, ton chat me regarde trop, hein. J'aime pas ça. C'est mon assistant. Il peut également voir ton avenir et donner son avis. C'est Doi. Ah, je vois, c'est évident. Merci, Zazel. Il dit quoi? Il dit quoi, le matou? Tu dois perdre du poids pour commencer. Tu es trop gros. Je ne suis pas gros. Chat maudit, là. D'ailleurs, même, je retourne voir Abeflet. Il est cher, mais là-bas, au moins, c'est pas un chat qui gère mon problème. Tu as trop les djonyennes. Il est cher. Comment? Il m'a demandé 300 000. Je vais lui donner ça. Cette andouille d'Abeflet voulait me doubler. Donc, il a ajouté 100 000 sur l'argent, là. Le Dugas! Le Dugas! J'étais comme man, elle a vu Gola, son cœur est mort, Joe. Elle était prête à me demander pardon à genoux pour que j'aille à l'invitation de sa madre. Letty? Ouais, la même Letty là. Hein? Retournement de situation à la Masashi Kishimoto. Appelle les secours, bro. J'ai perdu connaissance tellement je crapouille. Oh, lève-toi, tu es trop bête. Ouais, le 6 est devenu 10. On dit le 6 est devenu 9 tomates. Sangaba, ce qui est sûr, ça a augmenté. Validation! Toi là, tu n'as pas quelque chose à faire. Comme quoi? Va aider ta maman par exemple. Depuis matin, tu es calé, y'a quoi? J'étais à la cabine, tu étais là. Je viens encore ici, tu me suis. Tu me surveilles ou bien? Je vais où je veux. Le quartier ne t'appartient pas à ce que je sache. Ouais, mais ici c'est notre QG. C'est un lieu sacré. Tu comprends pas ça ou bien? Cause sacrée, mon œil. C'est pas ici tu donnes rendez-vous à ta pembèche là. Y'a quoi? Ça te fait mal ou bien? Regardez-le. Ça va me faire mal pourquoi? Donc faut quitter ici. Tu es là pourquoi même? Eh, moi, il n'est plus affaire à toi. Hein. Je ne bougerai pas d'ici. Le banc, là, c'est pour tout le monde. Attends, tu dis quoi? Tu as vendu 1500 livres. C'est quand même surprenant. Les gens aiment ton livre à ce point-là. Il n'y a rien d'étonnant, le talent, bébé. C'est le talent qui a parlé. Et puis, elle n'a même pas fait de promo. Hein. C'est ça qu'elle a, là. Bravo. Ils ont invité la Jaga chez les Letty, là. Je vais aller lui donner des livres. Il va vendre ça, là-bas. Ah, enfin, Letty l'a invité. Mais ne perds-tu pas son rendez-vous avec ton affaire de vendre des livres là. Le moment n'est pas approprié. Quoi? Au contraire, il va prendre des points là-bas grâce à moi. Si les parents de Letty savent qu'il est un grand écrivain comme ami, je me fais du blé. Il prend des points avec les parents de Letty, tout le monde sort gagnant. La Diaga ne va pas apprécier ça, tu le connais. S'il refuse, c'est son affaire. Moi, je veux juste l'aider. Tu viens quand pour manger à la maison? C'est ma maman qui veut savoir. Oui, je serai là dans quelques instants. Je suis déjà dans le taxi. Tiens ton argent.
Après, c'est pour raconter partout que je ne paye pas crédit. J'espère que c'est pas faux billet, hein. De toute façon, tu as vite découvert le Djekwe là, c'est suspect. Redonne-moi mon argent dans ce cas. La vieille mère, donc la Djagaï avait raison. On dirait ta mère est Dieu, hein. Tu as remarqué, non? Femme qui ne va pas durer dans le foyer, quand on voit, on sait. Tiens, c'est l'argent que la Djagaï m'avait demandé. Toi là, tu te prends, hein? Jean, tu lui donnes l'argent parce que tu l'aimes trop, quoi. Et alors, en quoi ça te gêne? Wallahi. Et puis toi, tu soutiens des choses comme ça. Je suis juste un spectateur, hein, la vieille mère. Je mets pas ma griffe dans les voies des relations. Tais-toi. Qui t'a dit que je suis en relation avec la Djagaï? Toi, je sais comment te faire mal. Tous les caleçons que Léo et moi, on voulait acheter chez toi, là, on va annuler. Hey! Et puis, je vais dire à Lily que tu sois avec la petite sœur de Michou, la Migal. Hey! Tu me connais mal. Non, hein, on sort pas ensemble. Mais et l'agent d'appel, là? Tu donnes et puis tu reprends encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas dit que c'est faux billet. On rappelle pas.